Je suis Madame Vieira-Patirin-Eliane. J'ai 43 ans de service au sein de la collectivité régionale. Actuellement, j'occupe le poste de coordinatrice, animatrice au sein de la direction déléguée Europe. Alors, les missions quotidiennes, c'est plutôt un rôle administratif, m'occuper de tout ce qui est préparation des réunions, organisation, gestion des tâches administratives, notamment le courrier, etc. Alors, ce qui me passionne dans ce métier, c'est le travail bien fait, parce que je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la discipline. Je n'aime pas être prise en défaut sur ce que je fais. J'aime beaucoup le côté relationnel parce que ça me permet de connaître aussi mes collègues aussi, que je ne connais pas toujours, élargir aussi mon réseau professionnel. Alors, mon rôle dans l'application des politiques publiques, c'est faire avancer les dossiers et être au service du public. La direction déléguée Europe, c'est une direction qui gère les fonds européens. Et donc, souvent, nous avons aussi des porteurs de projets qui nous sollicitent pour connaître un peu l'état d'avancement de leur dossier. Donc, c'est un plaisir aussi de pouvoir les renseigner, de pouvoir les guider, leur apporter la solution. Je fais le lien entre les porteurs de projets et la direction. Pour arriver là où je suis actuellement, j'ai mis en avant mon caractère, ma rigueur aussi dans le travail. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Je n'hésitais pas à ramener du travail chez moi et travailler le week-end. Je conseillerais aux jeunes femmes qui veulent vraiment développer leurs capacités dans différents secteurs d'activité, de ne pas hésiter à s'affirmer, à mettre de l'amour dans ce qu'on fait, parce que ça, c'est important. Aimer ce qu'on fait, ne pas, là, au moindre problème, faire marche arrière. Non, il faut avancer, se donner les moyens, il faut être positif, avoir du caractère. Ne pas être individuel, à s'entraider, à faire les choses ensemble, parce que c'est ensemble qu'on arrive. Partager ce qu'on a, partager ce qu'on sait, partager son savoir, ça, c'est important. Ne pas tout garder pour soi. Il faut assurer la transmission.